Enfin, je vais fumer parce que ça fait. Je prends une temps. Bref, hello à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la troisième fois que j'essaie de tourner cette intro parce que ma batterie n'avait plus de charge. J'espère qu'elle a de la charge maintenant. Parce que ça m'a gavé. Bref, si vous voyez pas, j'ai une nouvelle chambre alors. Voilà. Et il y a les petits ballons 19 parce que je viens d'avoir 19 ans hier. On est le 7 janvier aujourd'hui. Et bientôt il y aura un room tour quand j'aurai fait vraiment toute ma chambre. Il me manque mon bureau. Et quelques petites étagères pour mettre ma collection. Voilà, derrière vous avez toute ma collection Harry Potter. Si vous voulez un petit récap de toute cette collection, je vais faire avec plaisir avec toute ma collection qui reste. Alors on va commencer tout de suite et comme vous voyez, j'ai changé de couleur de cheveux. J'ai du brun avec des mèches rousses. Ça fait un peu roux et rouge. Bref. Sur ce, on va commencer tout de suite avec la vidéo de mes cadeaux de d'anniversaire et de Noël. C'est parti! Je vais baisser ça parce que je ne fais rien de tout voir ce que je vais vous dire. Alors, je vais prendre au hasard. Alors, de la part du mec de ma soeur, il m'a offert un porte-clés. Parce que je suis parisienne. Il m'a offert le porte-clés PSG du Paris Saint-Germain. J'adore. Et aussi, il m'a offert un drap PSG, mais je ne peux pas vous montrer ce que. Je l'ai lu au lavage. Peut-être je voulais l'insérer. Bref, voilà. En image. Après, suite de mes parents, j'ai reçu ce parfum. Il sent trop trop bon. C'est La Vie est Belle de chez Lancôme. Hop. Bref, j'aime trop. Il sent tellement bon. Et il est trop beau. En fait, je sais pas comment vous. Les parfums, j'arrive jamais à les. À vous faire le dedans. Bah, ça a des notes fleuries, ce truc à chaque fois, je trouve. Bref, il est magnifique de chez Lancôme. Après, j'ai reçu quoi d'autre? Hop. J'ai, pour l'instant, vous avez vu, il n'y a rien du tout qui était dans ma liste. Hein. Après, vous verrez, j'ai reçu des trucs qui étaient dans ma liste et d'autres pas. Après, j'ai reçu le Anaïs de chez Cacharel. C'est aussi un parfum. Ça, je l'ai reçu pour mon anniversaire. Hop. Bref, celui-là c'est 50 ml. Il est tout petit mais j'adore. Ça c'est mon parfum que je porte depuis mes 15-14 ans. Il a vraiment des notes fleuries. Moi c'est le Anaïs de chez Cacharel. C'est le premier délice parce qu'il y en a un autre blanc mais j'aime pas du tout l'odeur. Ah oui, j'ai oublié de le dire. Celui-là il fait 75 ml, c'est plus gros. Et un dernier, là c'est de la part vraiment que mon père. J'ai reçu mon Guerlain. J'aime trop. Il fait 50 ml mais j'adore ce parfum. Là je suis servie en parfum, j'en avais plus du tout depuis un mois à peu près. Là je suis servie. Genre regardez la bouteille. Elle est trop belle. On dirait un petit. Je sais pas comment dire. Un bijou. J'adore. Non mais je vous ai dit l'odeur, j'arrive pas à vous dire exactement comment c'est l'odeur. Et en plus vous avez un code unique dedans qui me donne des expériences inédites. À peu près pour mon anniversaire de la part de mes parents, j'ai eu une mascotte Dobby. Dobby! Hashtag, tu sais, ok. Bref, pour ma meilleure amie qui est super saturée. Bref, voilà, c'est Dobby. En fait, on avait. Bref, c'est une noble collection. Il y a quelques temps, jusqu'au 3 janvier, il y avait une boutique Harry Potter à Paris, vers République. Alors, j'y ai deux tours. Alors, après, qu'est-ce que j'ai reçu? Ah oui. Ceci. De chez Pandora, j'ai reçu ce bracelet. J'ai reçu ce bracelet qui est trop beau. Je le trouve magnifique. Les charmes, je les avais déjà. Mais le bracelet tout seul. Je crois que c'était à partir de 120 euros d'achat pour Noël. Parce qu'on a acheté autre chose avec. Alors, dedans, il y a ça que j'ai acheté à la boutique Harry Potter. Je vais vous montrer. Hop. Pas le focus. Ah c'est bon. Alors le Magic Obus, c'est celui-là. C'est horrible, vous voyez rien du tout, ça me gave. Excusez-moi, je ne gère pas trop mon focus aujourd'hui. Bref, le Magic Obus et le logo de ma maison qui est de ce côté plutôt. Ah mince, celui-là. Ok, tu te tournes, j'en ai marre. Bref, je suis Gryffondor. Voilà, où est la boîte?
Je rentre dedans, sinon je vais le perdre, je me connais trop. Et ça, c'est mon troisième. Mon troisième jouon, ça comme ça. Et après, on va rentrer dans la catégorie DVD de moi à moi pour Noël. Je me suis offert The Mask de Jim Carrey. C'est un de mes films préférés que je regarde depuis que je suis petite. Je voulais le re-regarder. Alors, je vais me le taper bientôt. Je vous le dis. Hop. Après, de ma meilleure amie, j'ai reçu pour Noël Star Wars et l'ascension de Skywalker. Je l'ai mis dans ma liste. Hein. Bref, je suis trop contente. Je n'ai pas encore eu le temps de le voir. Mais je connais ce que je l'ai vu au cinéma. Et j'ai reçu After. Je l'ai vu, je l'ai kiffé. Ardine Tessa. My God. J'adore. Bref, After. C'est trop bien. Je la remercie. Après, de chez Pandora, encore, j'ai reçu une petite carte cadeau de 70 euros. Je vais pouvoir la dépenser pendant les soldes. Parce qu'il me faut des bloqueurs pour mes bracelets. Il m'en faut 4, alors peut-être que j'en trouverai pour mon soldes qui, pendant les soldes qui vont m'intéresser. Ici, dans une petite boîte de cadeaux rose, j'adore. Après, qu'est-ce que nous avons donc? Faut que je rapproche un peu tout. Je vais vous faire Noël direct comme ça. Alors, pour Noël, de la part de mes parents, c'est le meilleur cadeau que j'ai eu. J'ai eu l'iPad Air en 256 Go, parce que c'est le meilleur giga pour moi. Voilà, il est en vert, je vais vous montrer. Et j'ai reçu la coque qui allait avec. Quand même. Il est en charge, je crois. Ouais, bref, j'ai eu la coque rose, comme ça. Et derrière, nous avons l'iPad, qui est avec le fond d'écran Harry Potter. Dites-moi si vous intéressez que je fais What is my iPad. Voilà, et on a les Delena derrière. Bref, ils m'ont pris en vert, je vais vous montrer. Bref, il est comme ceci, il est vert comme ça. Ta bouche, chérie. Bref, voilà. Je suis trop contente de cet achat. De ce qu'ils m'ont fait. C'est le meilleur cadeau. Alors, continuons avec Noël. Ah oui, j'ai eu. Moi, j'ai eu un Lego. J'ai eu le hall de Poudlard. Oh, je suis trop contente. J'ai eu le hall de Poudlard pour Noël. Et il est déjà fait. Hein. Je vais insérer une petite photo peut-être. Parce que je l'ai déjà fait. Et j'ai eu aussi. Et où là? Pour mon. Ah! Pour Noël. J'ai eu le Lego que je jouais depuis longtemps. Le terrier des Weasley. Il est monté aussi. Voilà, j'adore. Et après, j'ai eu deux Lego pour mon anniversaire. J'ai eu d'abord celui qu'on est en train de monter avec mon ami. Hop. J'ai eu le Soul Cogneur. Qui, en fait, il a. Avec la voiture, en fait il peut s'attacher avec le hall de Poudlard. En fait il peut être attaché. C'est pour ça que je l'ai voulu celui-là. Et le dernier que j'ai eu, si j'arrive à l'avoir, c'est très bien quand même. Ah ouais, c'est bon. J'ai eu la tour d'astronomie Go Dumbledore mourir, je crois. Bref, j'ai trop hâte de le commencer. Il est pas du tout commencé, tout neuf. Alors dedans nous avons Luna, Lavande, Neville, Drago, Horace Slughorn, Ron, Hermione et Harry. Bref, j'ai trop hâte de le commencer, je mettrai sur Instagram. Bon, désolé. Comment il était fini. Hop, après, de ma meilleure amie, j'ai eu, c'est pour mon anniversaire, je l'ai mis dans ma liste, hein, comme vous savez, j'ai eu un nifleur. Je suis trop contente. Elle me l'a offert hier. J'étais hyper heureuse quand je l'ai eu. J'étais, ouais. Bref, vous savez que c'est mon anime. Il est dans les animes fantastiques, c'est mon préféré. Avec Norbert Dragono quand même. Bref, voilà. Et j'ai eu de la part de mon père pour Noël et ma mère. J'ai eu la baguette du professeur Phyllis Fitwitch. Bref, le tout petit qui fait Wicardio Leviosa. Voilà, alors je vais vous montrer. Allez, la boîte est orange. C'est la quatrième boîte orange que j'ai. Et elle va sortir. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Hop. Alors voilà, je vais
Je vais vous la faire montrer. Hop, tout de suite. Alors voilà la magnifique baguette. J'adore ça. C'est trois trucs comme ça, j'adore. Et après à la fin, elle est tout à fait basique. Il y a juste, ah oui là, du marron foncé à la fin, comme la baguette de dragon Malfoy. Malfoy, comme dire au Canada, Malfoy. Voilà. J'ai mis où? Voilà. Moi c'est une baguette de collection, je ne vais pas faire des sorts avec. Comme dirait ma soeur. Et de la part de ma soeur pour Noël, j'ai eu Victor Crump, alias Victor Crump, alias le tourneau des 14 sorciers, hashtag Harry Potter 4. J'adore Harry Potter 4 au cas où. Je trouve c'est magnifique. Alors j'ai eu celle-là. Je vais vous la montrer tout de suite. Elle est magnifique, je trouve. Regardez, en fait, c'est ça qui me fait. Waouh, elle est trop belle. C'est genre un aigle, on dirait. J'aime trop. Et la fin, elle est tout à fait basique. Hein. Bref, c'est ça le qui est tout. Hop. J'espère pas que ma vidéo fera 40 minutes quand même pour vous. Mais je suis désolée si ça fait 20 minutes. Hein. Voilà. Et après, c'est quoi? Ah oui, de ma meilleure amie. Bref, de mon amie, j'ai eu une pop pour Noël. Ça, c'est pour Noël encore. Oh, dégueu. C'est le scotch. Hop. Alors, j'ai eu la pop d'Hermione Granger. Granger, comme ça, déjà. Avec Wingardium Leviosa. C'est la pop numéro 113. Ah, c'est pas la classique. Je l'ai pas. Les gars, je l'ouvre pour vous. Je ne l'ai pas sorti du tout. Ah si, qu'est-ce que ça compte, je l'ai sorti quand même. Pour l'avoir, hop. Hop, elle a un sort en plus au cas où. Voilà la pop, elle est trop mignonne. Voilà. Je sais pas faire tomber Hermione. Avec Wingardium Leviosa. Elle m'a dit qu'elle a fait beaucoup de magasins pour la trouver. Parce qu'elle voulait vraiment m'offrir la pop d'Hermione en Wingardium Leviosa. Elle sait les pop que... Oh désolé. Le bruit. Parce qu'elle sait que l'époque où j'avais tout le monde sauf Hermione. Alors, je n'ai plus de cadeaux. Non. C'était le dernier cadeau que je viens de vous présenter. Alors, je vais continuer. Pendant Black Friday, je me suis offert l'intégrale de Mission Impossible. Car si vous savez pas, Tom Cruise est un de mes acteurs préférés. Alors, je me suis dit, je fonçais sur l'occasion. Il était à 10€, je crois, au lieu de hyper cher. Il y a même le dernier, le Fallout. Bref, j'adore tous les Missions Impossibles. C'est une de mes... saga préférée avec les Harry Potter comme ça. Et en même temps, je suis commandé sur chez la Black tous les mini Black. J'adore mini Black. Les trois premiers, c'est une tuerie, mais le 4, on va dire, c'est moyen sans Will Smith. Voilà, on adore. Voilà. Et après, je me suis. Ah non, je suis pas fini avec Noël en fait. Ça, c'est pas Noël, mais je vais montrer après. Je me suis payé l'intégrale de Vampire Diaries. Quand j'ai vu qu'il avait, je me suis dit go l'acheter. C'était 50 au lieu de 100€, entre ça, entre 40 et 50. Je suis en train de parler des Vampire Diaries à l'heure où je monte, alors c'est pour ça que je vous parle, parce que j'ai fait un énorme spoil. Alors pour ceux qui n'ont pas vu Vampire Diaries, la fin et tout le début va passer ça. Je vous mettrai la minute où j'arrête de parler du spoil. Voilà, bref, bonne continuation de la vidéo. Bref, j'adore. Go me retaper la mort de Stephen. Hashtag spoil. Voilà. Je viens de spoiler quelqu'un. Excusez-moi. Bref, tout ça, démon. Voilà. Si vous savez pas, comme vous venez voir mon fond d'écran d'Elena. It's my life. Et après, de la part de mes parents, j'ai eu une intégrale que j'adore. Hyper beau. Je me suis aussi acheté le Black Friday Les Seigneurs des Anneaux, mais je l'ai pas ici, je crois. Qui n'est pas. Bref, j'ai eu l'intégrale de Friends il y a 10 saisons. C'est pour ça que c'est aussi lourd. Bref, j'ai trop hâte de me retaper l'intégrale. Après, de mois à mois, je me suis acheté des baguettes à la boutique. Alors, je me suis d'abord pris la baguette de Fleur de la Cour pour aller dans ma collection des 14 sorciers. Je voulais grave faire ça. Il y avait normalement où il s'est vendu
avec un support, mais moi j'ai pas envie d'avoir un support. Et comme j'avais déjà Harry Potter et Victor Crump, ça servait à rien. Oh, j'ai eu un truc. Wow. Alors la baguette de Fleur de la Cour est magnifique, je trouve. Regardez les détails, mon dieu. Et il y a aussi des détails comme sur la baguette d'Hermione, on dirait. Et à la fin, c'est classique. Mais quelle est belle cette baguette. Je suis fanatique de cette baguette de Victor Crump et de Fleur de la Cour. Vous vous en doutez, la dernière baguette qui est... C'est logique avec tout ce que je viens de vous montrer les deux premières, que la dernière baguette est... Cédric Diggory. Hashtag Robert Pattinson. Je l'aime trop. Alors, le Wattie est violet, c'est la troisième baguette, je crois, violette que j'ai. Parce que je crois que Fleur de la Cour, c'est du violet. Non, pas du tout. Je ne sais plus c'est qui que j'ai en violet. J'ai Dumbledore en violet. Alors, elle est toute simple, celle de Cédric Diggory. Il y a juste des petits trucs comme ça. Des petites runes, comme j'avais ça. Et après, à la fin, elle est noire. Comme ça, comme Drago encore. Je n'ai pas encore celle de Drago, je vous le préviens. Je n'ai rien, je ne l'ai pas encore. C'est pas maintenant que je vais l'avoir, hein, parce que c'est pas mon préféré. Hop, voilà. C'était. Écoute, les baguettes par Unity coûtent sur une... sur The Wizard Shop, parce que c'était la boutique que d'empereur qu'il y avait à Paris et qui existe en magasin en ligne, coûte 34,90€ chacune. Alors imaginez, ça allait rester 2 ans, il paraît qu'ils vont en rouvrir une bientôt, pas bientôt, Noël prochain, temporaire. Alors j'ai trouvé une boutique à Rissel, Pulp Toys, ils vendent des baguettes, tous des trucs de Stranger Things, Riverdale, Harry Potter, et ils vendent des pop. Alors je me suis pris la pop de George Weasley au bal, c'est la numéro 97. Continuant au bal, je me suis pris la pop de Severus du Rogue au bal, numéro 94. Ensuite, je me suis pris la pop de Ron. Les nouvelles qu'ils ont sorties, je la trouve trop mignonne. Je l'ai en mini parce que je l'ai eu dans mon cœur d'allemand. C'est le numéro 124. Elle est trop belle. Ensuite, je me suis pris la pop de Drago Malfoy, même si c'est pas mon personnage préféré, mais j'aimais trop cette pop, c'est dans le 4 en plus. C'est la pop 117. Après, nous avons la pop de Neuville, long du bas dans le 3. La pop 116, j'aime trop, elle est trop belle. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que je m'étais acheté ça il y a pas longtemps. Coffrey Once Upon a Time, ma série préférée. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez. Bref, c'est l'intégrale, elle coûtait 40€, je crois. Je le vois, il est plus gros quand même. Après, je vais vous présenter mes deux dernières pop. J'ai d'abord la pop d'Harry Potter qui est la 120 et la pop de Ron, la 121. C'est les pop. Ah, mes cheveux. C'est les pop de Quidditch. J'ai mis trop quand j'ai vu ça sur internet et je me suis dit waouh. Elle coûte 20€ KO chacune. Mais en regardant où je suis, c'est assez cher. Ces pop là, elles coûtent 50 balles en KO. Je me suis dit, pardon, non. Bref, j'ai hâte d'avoir une autre collection, d'avoir une nouvelle pop. Voilà, elle est magnifique. Ma préférée, c'est, mes préférées, c'est ces deux-là. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!